En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. En novembre dernier, j'ai eu la chance de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis la création de ce podcast. Partir en immersion à la rencontre d'entraîneurs et formateurs français sur leur terrain de jeu. Tout a commencé début 2022, lors de l'enregistrement de l'épisode 37 avec Stéphane Adamietz, directeur sportif du club de Yamoussoukro FC en Côte d'Ivoire. On s'était alors promis que j'irais le voir sur place pour découvrir de mes propres yeux ce qu'il me racontait. Quelques mois plus tard, me voilà donc parti à Abidjan et Yamoussoukro pour un voyage immersif incroyable. Hasard de la vie, alors que j'étais à Yamoussoukro, Stéphane a invité Olivier Capot à venir découvrir son académie, ce qui m'a permis de partager une d'après-midi avec une idole de ma jeunesse. Après avoir vu un match ensemble dans les tribunes du stade de l'équipe de Yamoussoukro qui évolue en 2e division ivoirienne, nous avons continué nos échanges autour de deux micros chez Stéphane, avant d'aller dîner un bon poulet braisé avec une partie du staff du club au restaurant La Brise, un classique de la ville. Lors de notre échange, nous avons abordé beaucoup de sujets, son arrivée en France à 13 ans, sa relation si particulière avec Giroud, nous avons retracé son parcours hors norme pour un gamin né à Abidjan, la génération dorée de la JA avec Cissé, Mexès et Boumsong, dont il a fait partie, ses moments sur le terrain avec Zidane alors qu'il joue en équipe de France, et sa signature à la Juve grâce à Lilian Thuram. Un beau voyage avec une personne très attachante qui possède une mémoire infaillible. Bonne écoute! Bonjour Olivier Capot, ça va? Salut, ça va bien? Ouais, très content d'être là. Je suis avec toi à Yamoussoukro, on s'est retrouvé à Yamoussoukro, l'hasard de la vie. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler avec toi de foot et de voyage, comme dans mon podcast en général. Et je vais profiter pour dire que c'est un grand honneur de t'avoir. J'ai eu la chance d'avoir comme épisode Giroud, Corentin Martins, Alain Fiar, que des grands noms de la JOCR, Delvin Ndinga un peu plus tard, mais aussi. Et maintenant, j'ai Olivier Capot. Donc pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Et donc voilà. Et moi aussi, ça fait plaisir, en tout cas, avec tous les noms que j'ai entendus, le coach Giroud, Alain Fiar, puis Delvin, bon, Coco Martins encore, qui était quelqu'un que je regardais beaucoup jouer quand j'étais au centre de formation. Surtout, j'étais ramasseur de balles quand il jouait numéro 10, ouais. Capitaine. Donc, je le regardais beaucoup jouer, l'admirais beaucoup, beaucoup. Et j'essayais même de faire ce qu'il faisait sur le terrain. Peut-être que ça a marché, ça n'a pas marché, mais en tout cas, je suis content aussi d'être là. Ok, bah top. Je voulais commencer avec toi par une petite question. C'est comment, parce que toi, t'es né à Abidjan. Et comment s'est passé ton arrivée en France, en fait? Pourquoi t'es arrivé en France? Est-ce que t'étais déjà venu en France? La relation avec la France, c'est que ma mère est jumelle. Et sa jumelle, elle vivait à Paris. Et elle est venue à l'été 92, je crois, à Abidjan, passer des vacances. Et puis bon, c'est là que elle a échangé avec mes parents, avec mon père et ma mère, pour que je puisse aller là-bas, de l'autre côté. C'est pour ça que je suis parti. C'est comme ça, c'est fait. L'année qui est suivie, je suis parti avec elle. Ok. Et t'es arrivé où? Quand je suis arrivé, j'étais à Choisy-le-Roi. Ouais. Choisy-le-Roi, région parisienne. Mais gamin. Comment dire? Oui, gamin, dans le Val-de-Marne. Mmh. Et puis voilà, j'étais chez elle. Et puis un soir, je suis allé au centre d'entraînement de Choisy-le-Roi pour voir un peu. J'avais mon cousin, elle avait un fils qui jouait à Choisy-le-Roi. Donc il m'a amené, j'ai été voir les entraînements. J'étais au stade Jean Bouin, je me rappelle. Puis c'est de là que tout est parti. Et ton début, ton arrivée en France, tu t'en rappelles? Un gamin d'Abidjan qui arrive en France, est-ce que c'était... J'avais froid, c'était au mois d'octobre, mais j'avais super froid et j'étais inscrit à l'école, au collège Henri Matisse. J'avais froid, j'avais pas de chaussettes. Je me rappelle encore, j'avais mis des Doc Sides, j'avais pas de chaussettes. J'avais tellement froid. Ah ouais. Oui, après, bon, je pense que... Des semaines après, tout, ma sœur a commencé à acheter des chaussettes, tout, avec un manteau, tout. Mais j'étais arrivé, je me rappelle, c'était, je crois, le 14 octobre, genre comme ça, 93 ou 92, mais j'avais très, très froid.
Et puis bon, après, quand je vais à Choisir le Roi, je vais regarder l'entraînement. Et j'étais sur le côté, je me rappelle. Et j'ai pris un ballon, j'ai commencé à faire des jambes. Et ils sont tous venus autour me regarder. Mon cousin, il a dit non, mais il vient d'arriver, du bled, tout ça. Ah, ok. Et c'est là que l'entraîneur des poussins m'a remis un équipement entier, tout, Choisi le Roi. Direct, ouais. Il faut que tu viennes. Viens et toi, jouer c'était normal, toi, tu jonglais, tu avais ici à Bidjan. Avant, c'est plus technique que ça. Hein. Voilà, donc c'est pour ça. C'est comme ça que j'ai signé à Choisi le Roi. Mais à Bidjan, tu étais un peu au-dessus quand tu jouais au foot Au-dessus, non. Je jouais beaucoup de tournois de Maracana, surtout. C'est comment Maracana, c'est des petits tournois de quartier avec des petits buts. C'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que pour maîtriser ce jeu-là, il faut être super technique. Ouais. Tu vois, jouer dans des petits espaces. Ça t'a servi. Ça m'a beaucoup servi. Ouais. Voilà. Ici, tu joues, c'est des tournois que tu joues, c'est pieds nus ou c'est en léqué? On jouait pieds nus. D'autres souvent en léqué, mais plus pieds nus. Ok. Donc c'est ça qui a fait ta technique. Qu'après. Ah, je sais pas, mais bon, c'est une chance. Et donc, tu arrives à Choisir une année, et après, en fait, tu continues à voyager parce que tu pars très vite. Quand j'arrive à Choisir le Roi, j'achète le 11 mondial à l'époque. Sur la dernière page, il y avait les adresses de tous les centres, de tous les clubs français. Ligue 1, je crois, surtout Ligue 1. Et il y avait toutes les adresses. Et j'ai envoyé des courriers quasiment à tous les clubs pour dire que... Pour te présenter. Voilà, je suis là. J'aimerais bien rentrer dans un sport étude. Je viens d'arriver de l'Afrique. J'ai joué à Choisir le Roi. Un courrier normal. Ouais. Et j'ai eu que 3 retours. Celui de Monaco. Mmh. Celui d'Auxerre. Et Bordeaux. OK. Mais Auxerre, déjà, par rapport à ce que Basile Boli avait fait... Non. Tu connaissais. Il y avait Autocoré, donc on connaissait déjà Auxerre étant Abidjan. Okay. Ah oui. Donc la priorité déjà de tout ça, c'était écrit à Auxerre. Ok. Parce qu'il y avait pas mal d'Africains à Auxerre. Mmh. Donc j'ai eu le retour d'Auxerre, Monaco et de Bordeaux. Monaco, c'était Arsène Wenger qui avait fait le courrier. Bon, peut-être que c'est pas lui, mais c'était marqué signé Arsène Wenger. Comme quoi, l'effectif était au complet. Il fallait attendre la saison prochaine. Mais c'est sympa quand même de t'avoir répondu à l'aide d'un gamin. Oui. Et puis Bordeaux, pareil, c'était Marius Reza. Comme quoi, l'effectif aussi était complet, il fallait attendre l'année prochaine. Et Auxerre, ils m'ont répondu de venir. Ils m'ont posé pas mal de questions, j'ai répondu. Je suis allé faire des tests de sport-études pour entrer en sport-études. Et puis bon, ça s'est bien passé. Du coup, je suis rentré en foot-études. À quel âge? À 13 ans. À 13 ans, je suis rentré en foot-études là-bas, à Auxerre. Et puis l'été qui est suivi, on a joué, on a fait le tournoi à Nord-Est-Anjou, là, et avec Bordeaux. Oui. Avec Bordeaux qui était là, moi j'étais déjà à Auxerre. Et on a gagné. Et les tests à cette époque-là, Auxerre, c'était très pointu. Comment tu t'es sélectionné? Je me rappelle, les tests, on arrive pour entrer en sport études. L'entraîneur, c'était Bernard Turpin. On arrive dans une salle, tout de suite, il met un petit film des pros en forêt, en train de courir. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, j'ai joué au ballon, j'ai couru tout ça, j'ai pas connu tout ça. Et j'étais impressionné parce que je me rappelle, j'avais Rafael Guerrero, quelques anciens vrais pros, hein, Diomé, tout ça. Pascal Valérien aussi. Bon, je les connaissais pas, mais je me rappelle des visages. Après, quand j'étais, je les ai vus au stade, tout ça. Donc, j'ai regardé, il nous a expliqué un petit peu comment ça se passait, le sport et tout. Puis après, on a été joué, on a fait les entraînements. C'était plus des jongles, tout ça. Ouais. Et puis, ça s'est bien passé. Et là, ils ont dit go? Non, après, comme j'étais en troisième, donc c'est pour ça qu'ils m'ont surclassé. Et j'ai fait des tests avec des élèves de la première, des secondes, qui étaient plus âgés que moi. Et ça s'est très bien passé. Et après, ils m'ont dit, non, mais comme tu n'as que 13 ans, c'était à partir du mois de mars, faudrait que tu reviennes, tout ça. Et je suis revenu au mois de mars. Là, c'était avec toute ma génération. On était plus de 80 gamins. C'était toute une journée. Le matin, on avait fait un peu de vitesse, des petits jeux. Et puis l'après-midi, c'était des jeux. Et quand on a fini, j'ai joué avant-centre.
joue avant-centre. Je me rappelle, je me suis fait bouger une fois là dans le jeu et j'avais mon cousin qui était là. J'ai regardé, il a fait son point là pour dire, tiens, tu te bouges pas, je vais te frapper. J'ai eu trop peur, j'ai vu, en plus c'est très costaud. Et ça s'est bien passé après, quelques gestes techniques, tout ça. J'étais... Quand même. Franchement, ça s'est très bien passé, j'ai joué avant-centre. Et à la fin, il y avait tous les entraîneurs du centre, il y avait Don Daniel Roland, il y avait Alain Anastasio qui gérait les foot études, tout ça. Et on était tous assis. Et ils m'ont appelé, le seul. Ah, ils donnent le nom direct. Tout seul, ils m'ont dit, bon, tu vas recevoir un courrier chez toi. Bon, je ne sais pas, c'était le courrier de quoi, c'était le courrier, t'es le plus beau au courrier. Ah ouais. Courrier, tu dois venir à Auxerre ou je ne sais pas. J'ai dit, ok. Et puis j'ai reçu le courrier quelques semaines après. Comme quoi, je devais être le 1er août 93 à 15h au centre de formation de la JOC. Et ça, c'est le début de l'histoire. Ouais, c'est comme ça. Et ta famille, tout le monde voulait que tu ailles. Personne ne le savait, parce qu'ils étaient tous habitants. Il n'y avait que ma grande sœur. Ouais. Et la jumelle de ma maman, tout ça. Donc, ma sœur n'a dit à personne. C'est quand je suis arrivé à Auxerre les premières semaines que papa, il appelle. Alors, Olivier, il va bien. Elle ne disait rien. Tout. Mais non, il n'est pas là, il est à Auxerre, ça. Okay. Voilà les numéros, si tu peux appeler et tout. C'est comme ça. Mais moi, ils étaient contents. Ah, ils étaient contents quand même. Sans Abidjan, je sais pas. Ils étaient contents, bien sûr. Bah ouais. Et donc là, tu fais ta formation au Auxerre. Et là, j'arrive. Le pire, c'est que j'arrive en train, juste avec mon cousin. Et on connaissait pas les horaires de train. On a dormi dans le train. Le train s'est arrêté. Celui qu'on a pris s'est arrêté à Sens. Ouais. Le prochain procès, c'était à 5h du matin. On ne connaissait personne. Tu as dormi dans la gare ? On a dormi dans le train. Ok. Ah, on a dormi dans le train avec mon cousin. Et après, on est arrivé à Auxerre. On est passé au centre de formation, on s'est présenté tout. Ils m'ont installé dans un pavillon à côté. Je n'étais même pas encore au centre. J'étais avec l'espoir études dans un pavillon à côté. Et on a fini de faire les footings, tout ça. Comme ça, la reprise deux ou trois fois avec 12 minutes. Et le soir, je suis rentré, j'ai commencé à pleurer. Ah ouais. Ah, je pouvais pas tenir. C'était un autre monde pour moi. J'étais bien, on va dire, en Afrique. J'ai quitté les parents, je me retrouve encore dans la famille, mais c'était quand même la jumelle de ma maman, ma sœur. Et je me retrouve à Auxerre dans un monde où je connaissais personne. Et les gamins différents. Je vois des grands, des toutes couleurs, quoi. Ouais. Genre, j'ai commencé à pleurer parce que je voulais retourner à Paris. Pendant une semaine, hein. Pendant une semaine, je pleurais, mais grave, je pleurais. Et c'est Perrier Doumbé, ouais, qui s'appelle pour l'appel, et on lui a dit qu'il y avait un petit black qui vient d'arriver, qui arrête pas de pleurer, tout. Et puis il m'a appelé dans sa chambre, il m'a donné des conseils, il m'a encouragé, il m'a dit que lui, c'était pareil, quand il quittait ses parents aussi, donc c'est normal, mais ça va passer. Et c'est comme ça. C'est là que ça a commencé. Le vrai football a commencé. Le vrai Olivier Capot qu'on connaît a commencé là. Et donc, ouais, là, tu fais toute ta formation là-bas. Ouais. Et vous vous retrouvez, en fait, avec une très belle génération. Bon, vous n'avez pas exactement tous le même âge, mais quand même, au bout d'un certain moment, vers 15-16 ans, vous retrouvez une génération, un peu une génération dorée. Je suis arrivé avant tout le monde. Ouais. Bon, il y avait les anciens, Perrier Doumbé, on va dire, puis Jaurès, qui avait un ou deux ans de plus que moi. Mais moi, je suis arrivé avant Djibril, avant Mexès, tout ça. Donc, j'étais en sport, en foot études, et l'année, je suis rentré au centre. Et au centre, on était avec les 15 ans, NAS, ça s'est bien passé, on était même champion. L'année qui est suivie, ben, ils sont tous arrivés. Et c'est à partir de U17, NAS, qu'on s'est retrouvés un peu tous ensemble. Cette génération-là. Voilà. Bon, après. Et vous saviez, là, à ce moment-là? Que c'était une belle génération, que vous aviez des joueurs, vous étiez, voilà, un peu, c'était non, un peu mais spécial. Ils étaient... Bon, moi, je ne réalisais pas. Hein. Moi, j'ai découvert tout ça. Il y a beaucoup qui étaient en équipe de France, de jeunes. Je ne connaissais pas tout ça. Je voyais partir, revenir. Je me rappelle, il y avait Nicolas Marin, Vandenbosch, Siriex, Djibril Cissé, tout ça. Les mecs qui revenaient avec le maillot des équipes adverses quand ils jouaient. Je les voyais, j'avais envie aussi, je voyais ce point d'équipe de France, mais j'étais pas français, j'étais ivoirien. Hein? T'attendais dans ta chambre. J'étais ivoirien, donc j'étais vraiment content. Hein. J'étais content de voir. Et avec David Vandenbosch, on était très proches. Donc David, souvent, il me donnait ses maillots et qu'il échangeait tout. Ça se passait bien. Je regardais. Et c'est quand on a eu, je pense,
quand il y a eu les contrats Espoir qui sont sortis, et là, quand on a signé les contrats Espoir, je me suis dit que je pense que c'est là que hein, je vais jouer au football. Ou moi, c'est là que j'ai vraiment réalisé que... Ça pouvait se transformer en carrière. Voilà, parce que c'était 2 ans aspirant et 3 ans pro. C'était comme ça. Okay. 5 ans, on avait signé dans le contrat. Okay. Voilà. Et on n'était pas beaucoup. Il y avait tous ceux qui étaient en équipe de France. Il y avait moi. J'étais content parce que je n'étais pas en équipe de France. Et puis, je me retrouvais dans ce lot-là. C'était bien. Et vous entendez bien ? On s'entendait beaucoup parce qu'au centre, il y avait deux générations. Il y avait les 15 ans et les 16-17. Mais moi, j'étais à 15 ans au centre. Et les 17 ans, ils étaient très, très forts. Donc, on est resté vraiment, on était vraiment très soudés, les deux générations. Ça fait que l'année qui est suivante, on est passé en 17 ans ensemble. Il y a eu la Gambardella. Là, vous gagnez la Gambardella. Non, moi, j'ai pas gagné. Moi, j'ai joué avec la génération 80, 79, okay. Tout ça. Toi, tu ne la gagnes pas. C'est l'année d'après qui gagne. Nous, on a fait demi-finaliste contre Montpellier. OK. On a joué à Moulin, on a perdu. On gagnait 1-0 à la mi-temps, on a perdu 2-1. Okay. Et, tu te rappelles vrai que là on a discuté enfin, tu te rappelles de tellement j'en rappelle de tout hein. Et, ouais, là, et c'est là score, que mais... Lyon a gagné la Gambade. Lyon, ils avaient quasiment tout l'effectif était en équipe de France. Ah ouais. On avait Bréchet, Souchet, Olive Bernard, Malbranque, c'était vraiment l'Olympique Lyonnais à cette époque là en jeune surtout. Il y avait nous aussi, mais bon, c'était Lyon, ils étaient tous en équipe de France. Et nous, on a fait demi-finaliste le Gambardella. J'avais entendu parler comme quoi ceux qui gagnent la Gambardella, ils sortaient pro, ils jouaient en pro directement. C'était pas grave. Je fais demi-finaliste, j'étais en pro. Hein. J'étais même en équipe de France. Voilà, c'est ça. Et comment, à quel moment tu deviens français? Parce que comment ça se passe, c'est naturalisé? Mais il y a eu, à l'époque, parce que là, j'ai eu beaucoup de soucis ici avec les Ivoiriens ici, beaucoup qui ne savaient pas, qui n'ont pas accepté que... Je prends l'équipe nationale de France, qui n'ont pas accepté, et qui ont toujours encore ça à la gauche, parce que je vois au quotidien ici. Ouais, on y viendra à la côté ici. Voilà, donc, en fait, à l'époque, on avait droit à 3 étrangers, un pro. Et il y avait, je crois, un sulban, ou 2 titulaires, ou un sulban, un truc comme ça. Et moi, j'étais encore au centre, et vraiment, ça se passait super bien. Et le coach, il commençait à compter sur moi. Il y a eu des matchs avec la CFA où j'avais fait de gros matchs, tout ça. Et puis bon, il était obligé de me faire monter. Okay. Mais je n'étais pas français, donc il fallait automatiquement me donner la nationalité française. Parce qu'on avait 2 Polonais. Il y avait Thomas Klos et puis Martin Kuzba. Et il y avait un Marocain qui était Tariq Sektioui. Donc ça faisait 3 étrangers. Et moi, bon, comme j'étais plus jeune... Je restais en CFA ou en 17 ans, mais le coach aussi voulait peut-être m'essayer en pro. Peut-être me donner la chance aussi. Donc, c'est qui a accéléré pour que j'aie la nationalité française. Okay. Et je me rappelle, on avait joué la veille, on avait fait un match en CFA contre Boulogne-sur-Mer. Il se rappelle de tout. Donc, on a joué à lever des rideaux des pros. Okay. Il y avait 1-1. Il restait, je crois, 5-10 minutes de la fin. Je suis rentré balle au pied. Dribbler, gauche. Depuis, je donne à... Je crois que c'est Sébastien Esman qui marque. Et le lendemain, les journalistes ont marqué « Capo attend son heure ». Dans Lyon, le journal d'Auxerre, « Capo attend son heure ». Et je crois que c'est là que tout s'est décanté. Et puis, un matin, le coach, il arrive, il m'a dit « Ah, félicitations, un citoyen français ». Je ne comprenais rien. Je ne savais pas c'était quoi. Et... Il m'a mis dans le bureau, il m'a dit, OK, ben voilà, tu vas, c'est français, ça y est, voilà, le truc est, c'est un décret, je crois, de nationalité, tout. J'étais content. Ben ouais, toi surtout, ça lui permet d'avoir content. Plus de possibilités de voilà, jouer en première. Voilà, donc moi, surtout, moi, c'était des joueurs en équipe première. Ouais. C'est pas des joueurs en équipe de France ou quoi que ce soit. Je connaissais même pas, je le dis, c'est, à partir des 16 ans, j'ai vu Nicolas Marin, Vandenbosch, tout ça, qui jouent en équipe de France, je savais pas c'était quoi. D'où je venais à choisir le roi. Équipe de France, j'ai vu, quand on s'est fait éliminer, en 94 contre... Ouais, en 93 contre la Bulgarie. Ouais, contre la Bulgarie en 93. C'est ça, ils disent, ah, équipe de France, j'ai vu Basile Boli, je me rappelle cette équipe-là, c'est tout. Ouais. Et quand c'était français, c'était surtout pour pouvoir jouer en pro aussi. Ouais, c'est ça. C'était surtout pour pouvoir jouer en pro aussi. Parce que je me rappelle, il y a eu l'équipe nationale, les Ivoiriens sont arrivés, l'équipe nationale, j'ai été appelé en 96 pour le tournoi de Malaisie, ici. Et...
Mon père avait refusé, Guirou, tout ça. Etc. Il ne voulait pas. Parce que mon père, la priorité, c'était que je sorte. Ce n'était pas de venir à 16 ans l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire et qu'après, je ne joue pas en pro. C'était comment, raconte un peu, on en profite, j'en profite, petit kiff, la relation avec Guirou. Raconte-moi un peu le Guirou, ton Guirou à toi. Coach, j'en profite pour lui faire un coucou. Non, le coach, c'était, à l'époque, on avait peur du coach. Vraiment, on avait peur du coach. Est-ce qu'on voyait à la télé? Et quand on était ramasseur de balles, on voyait comment il se comportait avec les joueurs. On avait peur. Quand il venait au centre, je me rappelle, à l'époque, c'était, on était en franc. Pas l'euro, hein, franc, ouais, ouais, en franc français. Ouais. Et c'était, si ton lit était pas fait, c'était 50 francs, un truc comme ça. Si ton armoire était pas vide, était pas rangée, c'était 100 francs. La poubelle, c'était 30 francs. Donc, ça te faisait un truc de 200 francs à l'époque. Et quand le coach, il venait dans ta chambre... Il regardait ça. Oh là là. Et il renversait tout, il mélangeait tout, il retournait le lit, tout ça. Et après, il passait te voir, il disait, ah, il y a eu un grand vent dans ta chambre. Puis on se posait la question, quoi, grand vent. Et quand on allait dans la chambre, on voyait vraiment que le coach était passé. Donc déjà, on était traumatisés déjà au centre. On avait peur. Quand on voyait arriver, on avait peur. Franchement, il y a d'autres qui dormaient. Dès qu'on voyait sa 406 grise, il y a un qui criait, il y a le coach. Bon. il y a le gros. Et tout de suite, on était réveillés. Vraiment, Guirou. C'est à ces années-là, on avait vraiment peur. Et quand on est passé en pro, on avait toujours peur, mais on n'était plus des gamins de 15, 16. Non, on était 19, 20 ans, on était déjà en équipe de France Espoir. Donc, j'avais moins peur qu'avant. Mais je respectais toujours. Hein. Mais j'avais pas trop peur. Hein. Quand je suis passé de l'équipe de France Espoir, on s'est retrouvé avec le coach. Non, ça... mais c'est vrai que j'avais à mes débuts, surtout quand j'ai commencé à être dans le groupe de pro où j'allais à l'entraînement, que tu faisais trop peur. Ah ouais. Et tu crois que c'est bien? Comment? Et comment? Pourquoi ça marchait? C'est pas que ça marchait. Nous, en tout cas, Daniel Roland nous a très bien formés. Daniel, c'est le directeur du centre, il nous a très très bien formés. Puis à l'époque, je pense que Auxey était l'un des meilleurs centres en France à l'époque avec Nantes. Et il y avait du talent à tous les niveaux. Donc, si tu arrivais à jouer titulaire dans une catégorie, c'est vrai que tu n'étais pas mauvais. Donc, ça aide après pour voilà. Réussir après. Donc, pour monter, quand tu montais, il y avait déjà notre équipe de pro qui était pas mal du tout. Il y avait des internationaux. Mais nous, en jeune, on était bien. On était très, très bien. Je pense qu'on était pas mal. C'était pas mal. Donc, ça a été. C'était pas si dur que ça quand on est monté en pro. C'est vrai qu'il y avait des pros qu'on connaissait pas. Moi, je voyais Laurent Blanc, on appelait le président. Il y avait les Franck Sylvestre, Lionel Charbonnier. Alain Goma, c'était. Si, il y avait Alain Goma, il y avait Verlat, tout ça. C'était des hommes, hein. Nous, on était tout petits. Ce que j'ai remarqué, c'est que. Il y a eu un blessé et le coach, il appelle au centre, il dit de faire venir un milieu de terrain. Et Daniel Rollin me dit Olive. Donc, je cours, j'étais en vissé. Hein. Entre le centre, le stade, il y a au moins 10 minutes. Quoi. Donc, je cours avec les vissés sur le goudron. Hein. Vous voyez, m'entraîner avec les pros. Et j'arrive, on fait les jeux. Mais il y a Lionel Charbonnier qui est sorti dans mes pieds. Ah, j'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. Hein. Ah, c'est ouais. Pas, ah oui, c'était pas le gagnant du centre de formation. Il voulait montrer. Là, j'ai senti que voilà, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas le centre de formation. Là. Ah non, direct. J'ai vu comment il se préparait dans les vestiaires. Il y a une différence énorme entre les pros et les gamins. Peut-être aujourd'hui, il y aurait moins de différence parce que dans le centre, tu as déjà quasiment cette attitude de professionnel, peut-être. Mais à l'époque, il y avait une distinction énorme. Ah, grave. C'était pas comme nous. Nous, on était encore plus cool, plus jeune. Donc, quand on voyait nos petits du centre, on rigolait encore. Ouais. Mais ceux-là, tu n'avais pas le temps de rigoler. Tu voyais Laurent Blanc. Je me rappelle, Lolo, il était grand, on l'appelait président. Ouais, t'imagines avec ça. On l'appelait président déjà. T'imagines le respect. Tu sors d'Abidjan, 3 ans, tu trouves Laurent Blanc, le président de l'équipe de France. Il y avait Christophe Coquart, c'était des grands. Et justement, cette histoire-là, pour finir avec M. Guirou, mais comme ton ami Djibril Cissé qui dit c'est comme un père et tout, est-ce que toi, c'était une relation vraiment qui. Tu pouvais sentir, pas, je ne dis pas comme un père, mais très, très proche. Ou toi, non, tu l'as plus vécu comme un coach, prof de ses joueurs comme d'autres. Mais... Non, le coach a été...
Il était le père de nous tous, hein, nous tous qui étions au centre de formation. C'était notre papa. Ah, vraiment? Non, oui, oui, c'était notre père parce que vraiment, il s'occupait de tout, quoi. Il s'occupait de tout. Quand t'es malade, il te dit de ne pas bouger, c'est lui qui t'amène la soupe, c'est lui qui t'amène à manger. C'est tout. Ça, donc, il gérait tout. C'était notre papa. C'était notre papa. Moi, je le dis tout le temps, parce que je suis tout le temps au téléphone avec lui. C'était pareil. Donc, tout le monde parle. Ah oui, comme mon père, hein, deuxième père. C'est-à-dire, mon père me disait, ah, il y a ton père spirituel qui était là. Papa me disait ça. Ouais, ouais, pour lui, c'était sa vie, tous ses joueurs. Mais il devait en gérer beaucoup de joueurs. Mais il était fort. Ouais, coach fort, était fort, fou, tout. Fou parce que c'est un passionné et tout, mais je pense pour moi, il était fort parce que c'était pas facile. T'avais, là, aujourd'hui, je réalise parce que j'ai un centre de formation, je vois. Mais d'avoir tous ces jeunes qui viennent de différents horizons et des caractères à gérer. Et le coach, il arrivait tout le temps à te calmer. Ah non, il était fort. Et en même temps, gérer la pression de cette la pression de l'équipe professionnelle, le centre de formation, il gérait tout. Ouais, les transferts. Les Il connaissait tous les joueurs de la JOCR. Ouais. Du niveau amateur jusqu'en professionnel, il connaissait tous. Que ce soit les joueurs de la DH, de la PH, des jeunes de 14 ans, de sport études. Le coach, il connaissait tous les prénoms. C'était ça sa force. C'était ça sa force. En tout cas, je sais pas pourquoi il n'a pas encore mis une statue pour lui, mais on devrait le faire parce que c'est. Guillaume, c'est autre chose. Il y a tellement d'anecdotes sur lui, mais ce coach, c'est. En tout cas, moi, je mets, en tout cas, pour moi, c'est au sommet. Et maintenant que tu es. Après, on va y revenir, que tu as une académie ici, donc tu dois y penser encore plus. Bah, maintenant, ça fait longtemps déjà que tu l'as, l'académie, mais c'est vrai que ça doit être quelqu'un qui t'inspire. J'essaie de faire un peu ce qu'il faisait. Aller chez les joueurs la nuit, surveiller tout ça, les jeunes. Ça n'a rien à voir avec le centre. Ça n'a rien à voir avec nous, on était au centre. Mais là, il faut aller chez eux souvent à 23h. Le gamin, il sort. Tu fais quoi? Moi, je vais acheter du pain, je vais chercher à manger. Bon, tu ne peux pas tout gérer. Ouais. Mais bon, essaie d'aller dormir, tout ça. Ouais. Mais vraiment, c'est chapeau. Parce que j'ai fait un voyage. J'allais à Paris et j'étais... très, très fatigué. Et je suis tombé même dans l'avion. Je suis tombé. J'ai eu un malaise, tout ça. Je crois que j'étais fatigué, mais d'une force. Et quand on m'a soigné et tout, je suis rentré à la maison. J'ai dit, franchement, le coach Guirou était fort. Ah ouais. Ah, quand tu vois, là, maintenant, récemment, tu as été fatigué de tout ça. Et là, tu dis. Ouais. J'ai dit, le coach Guirou était fort. Ok. Parce que ce qu'il arrive, moi, ça fait même pas 2 ans, mais lui, pendant 40 ans à Auxerre, il a tout géré. Après, c'est vrai qu'il y a son opération du cœur. Après ça, j'ai dit, faut que je calme. Hein. Mmh. Parce que je voulais bosser comme lui. Mais après j'ai ça t'a fait. Mais il était vraiment fort, le coach. Je ne sais pas quoi dire. Quoi. Ouais, non, mais c'est... S'il y avait un mot au-dessus, un mot qualificatif au-dessus de très fort, il faut l'employer. Non, mais c'est vrai, il faut l'employer pour le coach. Tactiquement, le coach n'était pas... C'est pas... Guardiola, mais il avait une chose de plus que tout le monde, c'était il ne changeait pas ses idées. Si on devait rester sans 4-3-3, même si on est mené 15-0 ou on gagne 15-0, on ne change pas. Et c'était ça. Et dès qu'on a commencé à bien travailler physiquement, tout, on était capable de faire des efforts. Après, ça a pris. Et toutes les équipes de sort en jouant 4-3-3, l'ailier qui prenait, point de corner à point de corner. Bon, après, on est resté formatisé dedans. Ça fait que quand on allait en équipe de France dans d'autres clubs, on était un peu perdu. Ouais. Moi, j'étais perdu en tout cas. C'est vrai qu'il avait cette particularité qu'il jouait pour son équipe. Et le joueur, il était utilisé pour gagner aussi. C'était aussi peut-être le côté, on peut dire, plus, je ne sais pas si c'est négatif, parce que lui il a aimé, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais exploiter les joueurs pour gagner. Lui, le reste, il s'en foutait. Mais ça marchait. Et ça marchait. Ça marchait, il a eu 4 Coupes de France, deux championnats. Non, un championnat. Un championnat, championnat de Ligue 1 en 1996, il a eu 4 Coupes de France, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pour ça, ça Coupe marchait. D'Europe, mais... demi-finaliste de Ligue des Champions, c'est ça. Hein? Ouais.
Mais après, justement, ça va être intéressant. On va continuer à voyager. Moi, je pourrais parler des heures d'Auxerre, mais c'est pas l'objectif. Après, toi, en 2004, tu signes à la Juve. Ça, c'était comment ça s'est passé ce transfert? C'était toi qui voulais partir à ce moment-là et c'est toi qui as choisi la destination? Mais à l'époque, on avait le coach qui disait que pour faire comme nos aînés, pour avoir le bon de sortie, il fallait déjà laisser la GIA en Coupe d'Europe. Ah, c'était automatique. L'année d'avant, il fallait forcément les laisser en Coupe d'Europe. C'était automatique. Vous voulez partir, mais laissez le club en Coupe d'Europe. Et bon, je pense qu'en étant l'équipe de France, on était beaucoup sollicités. Djibril, Philippe Mexès, Boumsong et moi, avec Fadiga aussi. Quelle équipe? Donc, moi, j'avais pas mal de clubs. Hein. J'avais beaucoup, beaucoup de clubs. Mais d'où je venais, un gamin de la Côte d'Ivoire, Abidjan, demain, t'apprends qu'il y a les dirigeants de la Juve qui arrivent à Auxerre dans un avion privé, venez te voir. Je sais pas si je redors, je me relève. Je vais refuser, c'est impossible. C'est impossible de refuser. D'où je venais, je peux pas refuser ça, ouais. C'est la Juve. Ouais. On connaissait la Juve de Del Piero, la Juve de Platini, tout ça. Et puis, tu pars. J'apprends qu'il y a Juventus qui est venu me voir, quoi, en avion privé. Mais ça s'est fait grâce à Thuram. Hein. Ah ouais. Ça... Parce que toi, t'étais déjà en équipe de France, là. J'étais en équipe de France. Oui. On avait joué la veille contre Sedan. Il y avait un rassemblement d'équipe de France le lendemain. Et j'avais marqué, j'avais tout fait. Avec ce contre Sedan, ouais. Ouais, contre Sedan, on avait gagné 3-1. J'avais marqué, j'avais donné à Djibril, tout ça. Et le lendemain, on allait en équipe de France. Et moi, j'allais souvent dans la chambre de Manu Petit, Vieira, Lilian Thuram et Desailly. Je sais pas. Ils m'ont vraiment bien adopté, bien accepté. Donc, j'allais souvent dans leur chambre discuter. Et après ce matin, comme ils étaient arrivés la veille à Clairefontaine, donc ils ont vu le match sur Canal. Donc, j'arrive le lendemain, ils étaient contents. Tout. Et puis, Lilian, il me dit, il te reste combien d'années à Auxerre? Je dis, je suis libre, je suis en fin de contrat. Et tout de suite, il prend son téléphone, devant toi, son Z, c'est le Z1 ou Z5, là, le Sony. OK. Gris, je me rappelle. Et puis, il appelle un agent de la Juve, Oscar Damiani. Il appelle Oscar et puis lui dit, écoute, on ne veut pas que Capo est libre. Et Oscar, tout de suite, ah bon? Et là, je parlais avec Oscar. Et puis, la semaine qui suit, la Juve est venue à Auxerre. C'est comme ça que je signe à la Juve. Okay. Sinon, j'avais Monaco de Didier Deschamps. Le coach, il voulait que je signe à Monaco. Mais il m'a dit de patienter parce qu'il n'avait pas les sous. Si je devais signer au Paris Saint-Germain aussi, j'avais déjà vu Vahid, j'avais vu Alain Roche, tout ça. Mais à Paris, ça allait être difficile pour moi parce que déjà, on avait rendez-vous. Je rappelle ça par contre, ça m'a marqué. J'avais rendez-vous à 13h avec Vahid et Alain Roche, avec mon avocat. Et moi, le jeudi matin, à Auxerre, on a tennis-ballon, à prendre un massage obligatoire. Donc, je force à passer au massage avant midi, parce que moi, c'est l'après-midi tout le temps. Je fais la sieste et puis je vais au massage. Et là, il fallait que, comme je sais que je vais être absent l'après-midi, donc j'ai essayé de le faire à midi ou 11h30, tout ça. Et après, j'ai roulé comme un cinglé pour être à Paris. Et jusqu'à, je crois qu'au Hilton de Versailles. Et j'arrive, Vahid est fâché. Je viens d'Auxerre, il croit que je venais de Paris. Lui. Ah, il t'a pas bien accueilli. Ça va, j'ai dit, mais coach, j'ai roulé, en plus il pleuvait. Donc ça va, on s'assoit. Et il me commande à manger, je vois trois coquilles Saint-Jacques avec deux carottes. Ça, c'est pas possible. J'ai regardé, je dis, c'est pour moi ça. Je dis, ok. Il dit, oui, non, avec moi c'est comme ça, hein. C'est pas Giroud, tout. Je dis, ok. On a discuté, vraiment, on a bien discuté. Il m'a donné de très bons conseils, vraiment. Vraiment, ça, rien à dire. Mais comme il a commencé avec trois coquilles Saint-Jacques... C'est pas bon. Ah, pour t'acheter, c'est pas comme ça. Ah, je suis un bouffeur, quand même. Hein. Je sais pas, il met pas des pâtes. OK. On a bouffé tout. Mais en tout cas, c'est très bien passé. Okay. Et je vais signer à Paris. Bon, Giroud, le coach, il voulait pas. Ouais. Le coach, il voulait pas. Il était gourmand. Et surtout pas gourmand, parce que bon, il me protégeait, je pense. Il avait ses raisons. Après, j'ai eu Lyon aussi. Pendant la Coupe de Confédération, j'avais... Tout à fait en 2003, j'avais signé à Lyon aussi. Et puis, Gérard Bourgoin, le président n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Donc. Et c'est la Juve qui s'est présentée. Donc, je ne peux pas refuser. D'où je venais, c'était impossible de refuser la Juve. Ouais, j'imagine.
J'étais pas. Et tu te rappelles l'arrivée de la Juve là, c'était impressionnant. Ah, déjà quand. Chose, mais bon, t'avais déjà vécu beaucoup de choses quand même. Parce que non, à vous, y a pas l'équipe de France, mais. Ouais, ça t'a quand même choqué. T'arrives à la Juve, c'est autre chose. Hein. Ça t'a choqué. Ah, c'est autre chose. C'est un très très. C'est y a rien à dire. C'est un très très grand club. Et aujourd'hui même, malgré que j'ai pas exposé là-bas. Mais quand j'appelle pour aller voir des matchs, je suis bien reçu. T'es un on joueur de la Juve. On fait des matchs anciens. Ils m'appellent, j'y vais. Okay. Vraiment, je suis très bien reçu. Ah ouais, il y a une vraie famille de la Juve. Et dès le début, t'as été bien reçu par les joueurs oui. Et tout, bien. Le vestiaire. Ah oui, bien. Ils ont pas voulu te montrer. Bon, les gars me connaissaient pas beaucoup. Hein. Ils connaissaient que Djibril Cissé. C'est au CES, c'était Djibril. Il t'a fait beaucoup d'ombre, hein, ce Djibril Cissé. Non, mais j'accepte parce que j'ai joué derrière lui. Donc, c'est lui qui marquait. Donc, c'est bien. Bah ouais. Et les gars connaissaient tous Djibril Cissé. Donc, fallait que je dise, j'ai joué derrière Djibril. Regardez un peu derrière. Donc, ce qui m'a servi un peu, c'était le dernier match de la FIFA en France contre le Brésil. Et je suis rentré, je crois, à 35 de la fin, à 65e, à la place des Zizou. Donc, ceux qui ont vu le match, tout de suite. Attends, mais ça, c'était quel match? Les 100 ans, là? Les 100 ans de la FIFA. Ah oui, avec les maillots, là? On avait joué avec les maillots en deuxième mi-temps. Les maillots, les vieux avec maillots. Avec les chemises, ouais, les Bermudas, tout ça. Ah, t'as joué ce match-là? Je suis rentré à la 65e, à la place des Zizou. Et je crois que c'était... À la place des Zizou. Ouais. Donc, okay. Les Italiens, ils ont vu le match. Ouais. Donc, quand je suis arrivé à la Juve, il y a d'autres qui sont rappelés. Ah, mais d'autres, ils connaissaient pas du tout. Et c'est championnat italien, basta. Mais t'avais joué des ligues, une ligue des champions. Oui, mais je ne me connaissais pas. Je te jure, c'est la Juve ou que le championnat italien. Okay. Il fallait que je dise, ah, je jouais derrière Djibril Cissé. Ah oui. Toi, t'avais marqué un but important à Highbury. Ah, c'est la chance. C'est mythique. C'est la chance. Ouais, c'est beau ce but. Oui, mais. Important. Un des derniers matchs à Highbury, non ou je sais pas. C'est la sûr, une des premières victoires à un club français. En Angleterre. Ou à Arsenal, ou un truc comme ça, après Lens. Avant Lens, c'était Auxerre. Bon, je pense qu'on allait gagner ce match. Ouais, aujourd'hui, je l'ai dit, on allait gagner parce que au match aller, on perd 1-0 à la maison. Mais on n'était pas si ridicule que ça. Ouais. Et au match retour, on a fait une séance d'entraînement la veille de match. C'était de haut niveau. Et je sais pas si vraiment on allait perdre ce match. Et je me rappelle même, j'avais mis une frappe, tout ça, la veille, et le président Gérard Bourin, il m'a dit, si tu fais ça demain, je fais un cadeau. Oh, un petit Ivoirien, tu dis ça. Faut pas lui dire ça. Si c'est un petit Ivoirien, de Koumassi en plus. Non, mais en tout cas, l'entraînement était de qualité, et ça se voyait, on était tellement concentrés. Ça, je voyais dans les vestiaires avant d'aller à l'entraînement. Je me rappelle, il y avait pas de bruit. Et Gérard Bourgoin, il est rentré dans les vestiaires pour nous distraire tout. Et personne ne parlait. Et c'est Giroud, l'a mis dehors. Ça se voyait qu'il y avait quelque chose qui allait sortir. Au pire, même, on avait fait match 1, mais on n'avait pas perdu. Ils étaient surpris, Arsenal. Hein. On les a surpris 2-0 à la mi-temps. Hein. Et vous avez gagné 2-1. On a gagné 2-1, ils ne savaient pas. Mais avec cette génération, vous aurez pu soit gagner un championnat, soit une Ligue des Champions quand même. Championnat, on l'a laissé, d'après le coach, on l'a laissé sur l'autoroute. Et comme Giroud l'a dit, le championnat de France, on l'a laissé sur l'autoroute. Ouais. Non, mais bon. Ouais, c'est il y a des, chose, hein. Y a des matchs où on est passé à côté, comme Lyon à la maison, à deux reprises, où on était égalité avec eux. À deux reprises, ils sont passés. Voilà, on perd contre Lyon deux fois à la maison, but de Govou deux fois. Donc, je pense qu'on n'est pas passé loin, quoi. Ça fait des chiffres parce qu'il y a des matchs où on devait prendre des points, je me rappelle, contre. Lorient à la maison, gagne 2-0, il y avait du brouillard, après d'Archeville, il marque, c'est un vieux coup français. Il y a des matchs où on a vraiment laissé passer des points, et je pense que là, on pouvait être champion facile. Hein, parce qu'on avait l'équipe pour, mais bon. Mais c'était pas mal ce qu'on a fait déjà, c'est pas mal. À la Juve, t'es resté un an ou deux ? Deux. Deux, mais quand même intéressant. Et toi, pour toi, c'était... C'est la Juve. Hein. C'est, bah la ouais, Juve. C'est la Juve. T'as quand même joué. J'ai joué avec les plus grands joueurs. T'avais Nedved qui était Ballon d'Or. T'avais Del Piero qui pouvait avoir le Ballon d'Or. Trezeguet qui pouvait aussi avoir le Ballon d'Or. T'avais Lilian Thuram. Buffon, t'avais Cannavaro. Il y avait Gigi. C'était une génération, c'était une époque incroyable. Et tu te régalais à l'entraînement. Je pouvais gagner mieux. Je me régalais. Il y avait Tudor aussi. Il y avait Tudor, le gros comédien. Mais franchement, c'était deux belles années, vraiment. Et pour toi, dans ta vie personnelle, c'était bien d'être, t'aimais bien être là-bas? Ah oui, j'aurais souhaité terminer même en Italie. Ah ouais, tu t'es bien. Mais bon, comme avec le coach Ranieri, c'est pas passé, donc. Ouais, sinon, j'aurais aimé rester là-bas. Hein. Ouais. Et après, t'es parti, t'es à Monaco et.
Après, j'ai eu Monaco. J'ai beaucoup voyagé. Oui, hein. Après, tu as beaucoup voyagé, justement. Tu n'avais pas peur de voyager. Non, du tout, du tout, du tout. C'était quoi pour j'ai toi J'ai déjà quitté la famille pour retrouver à Paris. J'ai 13 ans, donc je pouvais tout essayer, quoi. Moi, j'aime l'aventure. Je suis quelqu'un, j'aime aller de l'avant. Je veux jouer, je veux connaître, je veux aller de l'avant. Et quand j'ai une opportunité, peut-être que j'ai fait de mauvais choix. Peu importe, mais quand il y a des clubs qui sont présentés, je suis parti. J'avais pas la chance, comme d'autres joueurs qui avaient des managers, qui avaient la famille, tout le monde. Moi, j'ai pris un avocat, si. Un avocat qui ça se passait bien, qui m'écoutait beaucoup, mais je l'écoutais pas trop. Parce que bon, moi, je voulais jouer ici, je voulais jouer là, il me suivait. Ok. C'est pas lui qui allait te proposer vraiment des choses. Non, on venait te voir et toi, tu on me disait, il y a tel club, je disais, ok, je fonçais. J'avais envie de jouer, puis je voulais connaître, quoi. Je voulais vraiment connaître un peu. Mais je voulais quand même jouer en Espagne. Ah ouais. Ouais. Et t'as pu jouer en Espagne? J'ai joué en Espagne à Levante. Je crois que j'ai fait l'une de mes meilleures saisons. Ah ouais. C'était après Monaco? Juste après Monaco. Ouais. Pourquoi c'est l'Espagne? C'était pour toi? C'était quoi? Il y avait le climat. Ouais. Et puis le championnat était magnifique, le championnat. C'était que du football, quoi. Et ça, quand t'es joueur, tu réfléchis, tu dis, ah, comment je joue moi, je pense que je vais être plus performant en Espagne qu'en Italie parce que ça va plus me correspondre ou que l'Angleterre. Tu réfléchis un peu comme ça aussi? Mais moi, je me retrouve en Angleterre, c'est pas que je voulais aller. Hein. J'avais déjà Bolton avant, mais ça n'a pas pu se faire parce que j'avais opté pour la Juve. C'est que je devais, après l'Éventé, j'avais la Roma, je crois, et puis ça n'a pas pu se faire, donc je suis allé, j'ai Fulham qui me voulait, et à la dernière minute, j'ai signé à Birmingham, sinon j'étais pas pour l'Angleterre. Parce que je connaissais mon jeu à moi, c'est vrai que je pouvais jouer en Angleterre, mais c'était plus l'Espagne. C'est plus l'Espagne. Et vraiment, à l'Éventé, ça s'est très bien passé. Je devais même signer à Atlético de Madrid. Mais j'ai fait mon petit caractère de, comme on dit, petit cochon. Hein. Donc, j'ai pas pu signer à Atlético de Madrid. Ah ouais? Tu t'es énervé? C'est ma plus grosse bêtise, quoi. T'étais tout carrière, proche. Quoi. Ils te voulaient? Ah, oui, je voulais faire le malin. Mais et, niveau salaire? Non, du tout, du tout. Au fait, l'entraîneur de Levante, c'était l'ancien gardien emblématique de l'Atlético de Madrid, Abel Resino. Et ça se passait super bien. Et puis, il me disait que, voilà, il y a un contrat pour Atlético, 3 ans, tout est OK, tout. Et on a fait un entraînement où il m'a gueulé dessus, mais d'une force, je sais pas pourquoi, je m'appelle pas. Il m'a tellement allumé. Et à la fin, on jouait... Osasuna. Et j'ai dit, j'avais mal au dos, je vais pas jouer. Ah ouais? Et je suis pas parti jouer, on a perdu 4-0. Tu vois? Et on est rentré. Il avait besoin de moi, comme c'était moi, j'étais le buteur en plus. Il y avait Peggy, Liondula, tout ça. Et puis, l'entraînement de la semaine, je commençais à bien m'entraîner, bien. Et il m'a appelé dans le bureau, il voulait me parler. Je pense que c'était pour me dire, je sais que tu peux jouer. La semaine dernière, tu n'avais rien, donc arrête tes bêtises. Je pense que c'était ça. Et je faisais le malin. Il m'appelait dans le bureau, je voulais pas aller. C'est pas que je veux pas, mais j'ai pris mon temps. Les joueurs me disaient, mais dépêche-toi, je veux pas que le coach t'attend. Je voulais faire le malin parce que je sais qu'ils ont perdu 4-0 semaine d'avant. Donc là, il a vraiment besoin de moi. Donc je vais, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort. Ah, c'était un manque. Bon, j'étais en question. Parce que lui, après, il a fait capoter le. Ah ouais, lui, il a explosé, ça y est. Je suis pas venu. J'ai pris ma douche, j'ai frotté la crème, tout. Non, j'ai pas de crème, c'était vraiment pour lui. Non, mais j'ai déconné. Je vous parle encore, j'ai mal. Ah ouais, ok. Parce qu'il y avait quand même un contrat de 3 ans. Et parce que lui, après, il pouvait faire capoter le truc. Ah, mais c'est ce qu'il a fait. Il avait le pouvoir. Bah, c'était. C'est comme si moi, je bossais quelque part et que Auxerre voulait tel joueur. Je connais la maison. Ouais. Et boum. J'ai pas pu signer à Atlético de Madrid. Tu t'es rendu compte tout de suite que c'était ça, que ouais, t'avais fait une connerie. Et l'année qui est suivie, il a signé à Atlético de Madrid, c'est lui l'entraîneur. Ah, t'as vu, ok. Et je me rappelle, j'avais appelé un matin, il allait à l'entraînement, putain, il m'a raccroché. J'ai dit, Mister, Story Olive Capo, bam, il a raccroché. Ah ouais. Direct. Ah, t'es, ok. Ah, ça m'a tué. Sinon, je pense que j'allais peut-être signer là-bas, ça allait bien se passer, plus ou moins, je sais pas, mais en tout cas, j'avais l'opportunité de signer à Atlético de Madrid.
Mais bon, aujourd'hui, c'est pas que tu t'en veux de ta carrière. Non, ou je m'en veux pas, je m'en veux pas, mais t'as une carrière incroyable. Aujourd'hui, si je peux donner des conseils à des jeunes joueurs pour éviter ça, hein, ça peut les aider, il n'y a pas de souci, quoi, parce que je veux pas que ça arrive aussi à d'autres jeunes. Quoi. Mais en vrai, si tu regardes, t'as fait que des bons choix, j'imagine. Tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu m'as parlé, t'as dit le mot chance. Tu disais que t'as eu beaucoup de chance dans ta carrière. Mais en tout cas, ou t'as fait les bons choix, ou t'as fait les efforts au bon moment. Mais je pense qu'on peut surtout garder ça de ta carrière. Parce que le foot... Si tous les joueurs qui sont dans ton académie aujourd'hui ont ta carrière, c'est que... C'est... J'espère qu'ils vont faire mieux. Hein. J'espère qu'ils feront mieux que moi. Ben oui, oui. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a le travail. Il faut bosser, tout, mais il faut se brindre des chances. Quoi. Si t'as pas ça, t'es mort. Au bon moment, il faut être là. Quand le wagon passe, il faut monter. Quoi. Et aujourd'hui, toi, tu dis... Tu peux te rappeler des moments où tu dis, là, j'ai eu quand même la chance de ma carrière ou... Bien sûr. Ceux qui m'écoutent, en tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et je le répète, je dis toujours, c'est grâce à Benjamin Nivet que j'ai pu faire cette carrière, on va dire. Vraiment, parce que Benjamin Nivet, on joue ensemble en réserve, en CFA. Et ben, j'ai joué 10 aussi. Et il y avait Coco Agbo, donc ça faisait, on était 3 milieux, donc ça faisait que le coach mettait Benjamin en 8 et moi en 10. Mais c'est Benjamin qui faisait tout pour nous. Ah ouais, il était si très, très... dans la liste de CFA convocation, il y a Benjamin Nivet, t'es sûr d'avoir ta première match. Ah oui, c'est sûr de gagner le match. Il était au-dessus. Ah oui, ben j'étais au-dessus de tout le monde. Et il y a eu un match en pro à Auxerre, où je crois que c'était Toulouse, on recevait Toulouse à la maison. Et Benj, il est rentré, je pense que... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de pression, comme c'était à Auxerre. C'était son premier match, je crois. Et Benj n'a pas... Il est passé à côté. Donc, la semaine qui est suivie, le coach m'a mis dans le groupe. Et on recevait Metz à la maison. Et j'étais remplaçant. Et c'était Carnot qui jouait en numéro 10. Ah ouais, on était mené 1-0. Et Stéphane Carnot se blesse. Et le coach me fait rentrer. J'avais une coupe de cheveux en ce moment, j'étais bête, quoi, on va dire ça. Non, je suis méchant. Mais bon. Et je suis rentré à la place de Carnot, à 10 minutes de la fin. Il y a Cyril Jeunechamp qui met une frappe. Guy Vache qui donne un ballon à Jeunechamp qui frappe. Et Letizy repousse. Et comme par hasard, je me suis retrouvé au point de pénalty. J'ai mis une frappe, j'ai pas réfléchi. En dessous de la barre, 1-1. Et c'est là que je suis resté en pro. Ah ouais, ouais. Et donc, c'est de la chance. Et je pense que si Benjamin Nivet avait réussi ce match contre Toulouse, je devais être dans la liste des prêts. Ah ouais. Avec Nicolas Marin, David Van Den Bosch, tout ça. Ah ouais, c'était sûr. C'était sûr. Ah, si Benj, il réussissait là, c'était fini. Ok, donc on remercie Benjamin. Ah oui, toujours. Benj, si tu m'écoutes. Il le sait. Ouais. Ben bien sûr, il le sait. Je l'ai dit toujours à Benj. C'est grâce à lui. Non, ouais. Qui lui, après, a fait une carrière tellement longue et une bonne carrière. Après, respect pour sa carrière. Ouais, mais en tout cas, pour tous les matchs qu'on a partagés ensemble au centre de formation, aux entraînements, tout, j'ai beaucoup, beaucoup appris auprès de Benj. C'était un très grand joueur. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la JOCR. T'as vu, il a pas fait de toute catégorie. Ah oui, il avait les deux pieds. Il savait tirer les coups francs. Benj, il avait tout. C'était un vrai meneur de jeu. Ah oui, non, Benjamin, c'était la classe. Après, pour les voyages, pour continuer et pour aussi commencer à finir, parce que ça fait longtemps et on peut parler des heures, je pense, j'ai l'impression. Oui, mais, pas de souci. Il y a d'autres pays qui viennent s'ajouter dans cette liste, parce qu'après, t'as l'Écosse, t'as l'histoire de l'Écosse, mais bon, oui, Celtic, un club mythique. Et après, bon, après t'as des pays un peu plus exotiques, on va dire. Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit... Bon, là, quand tu es Levante, tu penses à l'Atlético, tu as l'histoire de la Rome, mais à un moment, tu te dis, bon, maintenant, je vais devoir accepter d'avoir deux types de clubs par rapport à ce que je pouvais imaginer. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où tu te dis, bon, maintenant, je vais juste avancer sans trop viser, on va dire, le top niveau européen? Je me barre de Wigan. Bon, je me barre, sinon. Avec Wigan, avec les dirigeants de... C'était Martinez, entraîneur de la Belgique. Ah ouais, entraîneur de Wigan. Donc, ça passait pas.
La dernière année, ça passait pas. Donc, on a discuté. Là, je pense que la solution idéale pour les deux, c'était de se séparer. Si j'avais plus de force de continuer à bosser avec lui, et lui non plus, je pense. Et voilà. Donc, je suis rentré chez moi. Et quand j'habitais à Manchester, j'avais connu un ancien attaquant, s'appelait Dean, qui jouait à l'Ajax, tout ça, qui vivait à Manchester. Et lui, qui avait des relations avec Celtic, qui a su que j'avais cassé mon contrat à Wigan et que je rentrais sur Paris. Parce que j'habitais à Manchester à l'époque. Et il m'appelle un matin, il me dit, écoute, j'ai Celtic. Ça dit ou pas? J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'étais pas trop pour, hein. Mais comme je venais de rompre mon contrat à Wigan, me retrouver à la maison, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai toujours joué chaque année. C'est toujours enchaîné, toi. Voilà. Je suis parti direct. Et ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai fait les entraînements, tout direct. C'était Neil Lennon, là, l'entraîneur. Et c'est très bien passé. Tout de suite, il a voulu que je reste. Et j'ai commencé à jouer. Mais le directeur sportif, qui était Peter Lowell, il m'a dit, écoute, comme tu viens d'arriver en cours de saison, on sait que tu as rempli ton contrat à Wigan. Donc, on va sur 3 mois. Si on est satisfait au mois de janvier, on te fait un contrat sur 2 ans. J'ai dit OK. Et je me rappelle que l'équipe ne gagnait pas en plus. Donc, j'ai commencé à faire l'entraînement, j'ai commencé à jouer, on a commencé à gagner. Et il y a Freddy Ljungberg d'Arsenal qui vient entre-temps. Ils font signer, ils donnent un contrat de 2 ans. OK. Il y a un problème. Donc, je n'ai rien dit. Donc, j'ai commencé à jouer. On arrive au mois de janvier et le coach m'a dit c'est bon, lui, il est sûr que je signe 2 ans. Tout. Et je croise Peter Lowell, là, il dit non, qu'on continue comme ça jusqu'au mois de juin. On ne fait pas de contrat jusqu'au mois de juin. Je suis arrivé, j'ai accepté 2 mois, 3 mois sans être payé. Je suis remis dans un hôtel. J'ai joué, on a gagné des matchs. Freddy Ljungberg, c'est bien gentil, il n'a plus 20 ans. Il avait quand même sa carrière derrière, il arrive. Il n'a pas encore joué de match, il fait que des entraînements, il a joué des matchs amicaux avec les jeunes. Il fait un contrat de 2 ans. Et moi, je dois attendre encore 6 autres mois. J'ai dit, OK, j'ai compris, il n'y a pas de souci. J'ai pris mes affaires, j'ai mis dans la voiture, je me suis barré. Ah ouais. Et là, j'étais déçu parce que le Celtic, c'est vrai que c'est en Écosse. Mais c'est un autre club, c'est autre chose. C'est le niveau de la Juve, côté public. Installation, la manière de gérer les joueurs, c'est le top. J'ai pas compris qu'un club comme ça se comporte ainsi. C'est la première fois. Ouais. Ah non, j'ai dit non. Et là, franchement, j'avais pas arrêté le foot, mais j'étais trop déçu. J'étais trop déçu. J'avais le moral à zéro dans les baskets. Et je suis rentré à Paris. Et j'ai une connaissance qui m'a dit, écoute, il y a un club qatari qui veut un 10, tu fais quoi? J'ai dit, j'y vais. Même 1 000 euros, j'y vais. Mais je ne peux pas rester là. Ce que j'ai là, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Ce que j'ai vécu, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il faisait moins 16 degrés. Il neigeait de partout. Il neigeait, mais grave, à l'entraînement. On était comme des cosmonautes. Tu mettais la cagoule. J'étais blindé pour m'entraîner. Ah ouais. Et si ils avaient joué François correct à l'autre, tu serais resté. Bien sûr, j'étais bien. Tu étais bien. Ah, j'étais bien. Mais le stade était toujours plein. On avait 12 matchs, non, 11 matchs. Donc, disons, après, comme là-bas, tu joues 3 à 4 fois contre la même équipe. Mais, j'avais 12 équipes. Le stade était toujours plein, quelle que soit l'équipe en face. Tu vois, donc moi, j'étais bien. Hein. J'étais bien. En plus, j'avais un numéro fétiche, c'était une 77 qu'on m'a donné. J'étais content, j'étais bien. Mais ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas rester. Et là, quand j'ai eu le Qatar, je me suis barré. J'ai dit, j'y vais, mais ce n'était pas parce que je voulais aller au Qatar. Ouais, non, ouais, j'avais 30 ans. Ouais. J'avais 30 ans. Au Qatar, J'avais 30 ans, donc pour moi, c'était... je ne savais pas de ce qui s'est passé à Celtic. Je ne croyais pas qu'un club comme ça pouvait se comporter ainsi. Surtout qu'il fasse avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai quand même un passé un peu... C'est là, non.
que ça se passait bien. Mais, et le Qatar, raconte ton Qatar, toi, parce qu'il y a plein de différents Qatars. Mais moi, mon Qatar, c'est bien passé. Hein. Ah, c'est bien. Toi, t'as un bon Qatar. Non, c'est bien passé. T'es resté pas longtemps. Non, je suis resté 6 mois parce que, bon, comme j'ai dit encore une fois, j'étais pas la priorité d'aller signer au Qatar. Hein. J'étais peut-être à 35 ans, mais pas à 30 ans, parce que j'avais encore envie de jouer, j'avais faim, j'avais cette envie de gagner encore des titres ou de jouer des matchs de haut niveau. Donc, je suis resté 6 mois au Qatar. Ça s'est bien passé. J'ai été très bien traité parce que bon, peut-être que comme j'étais en équipe de France ou par rapport à mon vécu, bon, il y a eu ce côté-là. Je pense que ça faisait effet aussi. Que, voilà. Et puis je me suis blessé. Du coup, je suis rentré. Ah ouais. Je suis rentré en France. Et est-ce qu'à l'époque c'était déjà un salaire très différent à ce que tu pouvais toucher ici? Est-ce qu'ils payaient vraiment Ah oui, il y avait des gros salaires, mais bon, comme moi, je suis parti sur un coup de tête. Ouais, Moi, je voulais juste changer d'air, quoi. Vraiment, m'éclipser, sortir de ce que j'ai vécu, quoi. Un peu en. Est-ce que le mot dépression, il était fort ou c'est un peu ça que tu as pu vivre? Pas dépression, mais j'étais déçu d'une force, mais j'étais très déçu en tout cas. J'étais très déçu. Et après, t'es allé en Pologne. Non, après, je suis rentré à la... Je suis revenu, je suis allé à Auxerre. Après, je suis retourné au club. 2 ans à votre club. Je me suis soigné à la GIA. Et puis j'ai signé à la GIA. J'étais content de revenir au club parce que c'est ma maison. J'ai retrouvé tout le monde. Il y avait le président Gérard, tout ça, qui voulait que je signe. Donc, j'étais content de revenir à la maison. On était encore en Ligue 1. Donc, j'étais content. Mais en tout cas, ce que j'ai vécu là, au Celtic... Ah, ça se voit que ça t'adapte. Hein. Non, mais c'était pas cool. Surtout de faire signer Ljungberg qui vient d'arriver. Après, bon, peut-être qu'il a tout gagné par rapport à moi, 7, mais bon, on arrive à la même période, quoi. Voilà, donc, soit tu fais pareil, ou soit, mais bon. C'était, je dirais pas de l'esclavage, mais c'était trop quand même. C'était trop. Parce que j'ai pas dit un mot, j'ai accepté de jouer gratuit, sans être payé, même pas des primes. Hein. J'ai accepté. Gratuit. Peut-être, mais est-ce que, et là, tu peux dire que, ou, peut-être c'est fort, mais tu as peut-être vécu du racisme à ce moment-là ou pas? Non, pas du tout. Non. Non, sous une autre forme, oui, même. Non, je ne veux pas rentrer dedans. Seulement que, voilà, aujourd'hui, je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait, je pense. Et ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est ça. Maintenant, parlons de ça pour finir, parce que c'est quand même. C'est quand même super intéressant et on n'a pas trop l'occasion, en tout cas en France, d'entendre la suite de ton histoire. T'es revenu à la fin de ta carrière, t'es revenu ici en Côte d'Ivoire. Finalement, t'étais plus jamais vraiment revenu parce que carrière de joueur, j'imagine que tu viens, mais pas trop. Mais t'as quand même décidé de continuer ta vie ici en Côte d'Ivoire. Mais quand je rentre au centre de formation à Auxerre en 93-94... La première semaine, quand je disais que je pleurais, tout ça. Après, quand ça a commencé à aller, j'ai dit, si j'arrête le football, je fais la même chose à Abidjan. Je tends la main à tous les gamins pareils. Ça, c'était caché dans ma tête là-bas. C'était quand j'arrête, je rentre à Abidjan, je fais un centre de formation, pareil. Et je donne la chance aussi aux jeunes. Parce que avant que j'aille en France, il y avait des gars qui étaient plus forts que moi dans les Maracana, les tournois en jouet, qui étaient au-dessus de moi largement. Mais les parents n'avaient pas les moyens, tu vois, de peut-être les faire partir en Europe. Parce que si toi, tu n'étais pas venu en France, ils ne t'auraient pas découvert. Je ne pense pas, tu vois. Et il y a d'autres, à l'époque, c'était les études. Donc les parents, ils sont plus basés. Non, il y a quoi dans le football? Va à l'école, tu vas travailler et tout. Donc... J'ai eu des grands frères qui m'ont appris à jouer au football, qui étaient doués que moi, qui n'ont pas pu jouer. Parce qu'il y a d'autres fautes de moyens ou les parents décident de faire des études. Tu vois, donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est de rentrer au pays, comme je me suis dit, et de tendre la main à tous ces jeunes aujourd'hui qui aspirent à être grands joueurs professionnels et qui ne peuvent pas aller en France. Mais si je suis là, je ne pensais pas à mon canal. On peut leur donner cette chance-là. Et donc tu as ouvert une... Voilà, donc j'ai ouvert mon académie. Mais déjà en 2008, je me rappelle, j'avais déjà commencé à me renseigner. La vie à Abidjan, comment ça fonctionnait et tout. J'avais commencé à préparer vraiment tout. Quoi. Ça fait que dès que j'ai arrêté, j'ai enchaîné direct.
J'enchaînais direct dans l'académie. Non, du tout. J'ai pas eu mis un déprime poste carrière. Non, pas mis un temps de recul pour dire que je vais faire quoi. Non, direct. J'enchaînais direct. Aujourd'hui, nous sommes à la sixième année, septième année. Ça se passe bien. Ça se passe bien. T'as combien de, il y a combien de gamins? C'est quoi? C'est une académie du coup? C'est une académie. Sans club professionnel? Non. Là, cette année, on va avoir statut de club. Donc peut-être l'année prochaine, on va commencer les régionaux, voir les, je crois que c'est la DH ou le district, je sais pas, niveau d'ici. Mais sinon, on a entre 180 à 200 gamins. On a 7 équipes de jeunes, de partie de U9 jusqu'à U17, U18. Et il y a 4 entraîneurs, dont un ancien footballeur aussi qui a été formé à la SEI, qui a joué aussi à Oman, qui a joué en Grèce. Voilà. Qui a été aussi dans le centre de Jean Maguiou, donc qui connaît bien la formation, qui a beaucoup appris aux côtés de Jean Maguiou aujourd'hui. Ah, c'est un académicien de. Voilà, un académicien de la génération de Salomon Kalou, Gervinho, ouais, tout ça. La quatrième, je pense. Voilà, donc il m'apporte beaucoup. Et puis j'ai deux autres entraîneurs locaux ici et que ça se passe bien, qui sont à l'écoute aussi. Qui ont... C'est l'académie Olivier Capot? Non, c'est pas. Ça s'appelle le centre d'apprentissage de football. Il n'y a pas d'Olivier Capot dedans. Ouais. Centre comment ? Centre d'apprentissage de football. Okay. Non, il n'y a pas d'Olivier Capot. Non, ouais. Non, tu veux pas ? Non, du tout. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas une équipe Jean-Michel Aulas ou il n'y a pas une équipe Giroud. Donc voilà, non, pas du tout. Okay, et okay. Ça se passe bien. Nous sommes contents de ce qu'on réalise. On a quand même pas mal de jeunes... qui jouent en première division ici, d'autres qui sont de l'autre côté. Donc, Et j'ai une petite question que que je trouve quand même importante, c'est comment tu fais avec tous ces gamins parce qu'ils ont tous ce rêve, beaucoup, quasiment tous, de jouer en Europe, mais de devenir professionnel. Comment tu fais pour leur dire, pour pas leur casser ce rêve-là, mais en même temps leur dire que voilà, ça va être très compliqué. C'est déjà comment ma présence. Ouais. Ma présence avec eux tous les matins, ils comprennent déjà que c'est pas de l'amusement. S'ils me voient tous les matins à 6 heures avec eux, parce qu'il faut bosser, il faut être sérieux. Et on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire on est joueur professionnel. C'est pas possible. Ok. Mais ouais. Et en même temps, tu sais que tous ces gamins, la plupart, ne vont pas venir jouer en Europe ou aller jouer en Europe. Ah, c'est sûr. Mmh. Mais je vais faire comprendre que c'est celui qui va avoir un peu de cerveau, qui va travailler, qui va comprendre, c'est lui qui arrive. C'est pas le talent qui arrive. Hein. Pas que. Ouais. Ce talent, ça fait partie. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est doué, qui est fainéant ou qui est jamais concentré ou qui respecte pas le football, il n'arrivera pas. Ouais. Aujourd'hui, tout gamin, ils ont besoin du cerveau, ils ont besoin de bosser, ils ont besoin d'écouter, d'être sérieux surtout, et c'est pas facile ici pour les jeunes, c'est pas facile. Ah ouais, il y a beaucoup de talent, mais après il faut un encadrement, il faut les mettre dans des conditions pour pouvoir sortir des bons joueurs, ce qui n'est pas facile. Et il y a énormément de concurrence en Côte d'Ivoire, mais même avec tous les autres pays aujourd'hui qui est dans ce monde globalisé du football. Il y a de la concurrence entre académies ivoiriennes, mais après il y a les pays, donc il n'y a pas tellement de clubs en Europe, donc c'est quand même c'est compliqué de sortir du lot pour un joueur et pour une académie. Oui, mais pour une académie, c'est vrai surtout à Abidjan, il y a une forte concurrence, mais bon, après, comme j'ai dit, il ne faut pas s'éparpiller, il faut rester avoir des objectifs et puis être concentré et puis travailler bien comme il faut, travailler dans l'ombre, mais bien travailler et puis former les gamins, bien les entraîner, parce que c'est de savoir aussi, c'est de connaître le football. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le football. Tout le monde est dans le football. Il y a d'autres qui ne comprennent rien, qui sont dans le football. Mais c'est de faire passer le message aux gamins, les former. Qu'ils comprennent que déjà, le football, c'est pas facile du tout. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Faut le travail. Faut écouter et il faut être très sérieux. Très sérieux. Mais ici, surtout, c'est difficile parce que les gamins, surtout chez nous, ils sont pas dans, on n'a pas d'installation, d'infrastructure. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont chez eux. Donc, il faut aussi
se mettre à la place des gamins, comprendre la situation familiale, et puis essayer de faire après abstraction à tout ça, et puis vraiment les apporter ce qu'on peut. Bon, mais ça marche, et ça va marcher. Pour l'instant, ça se passe bien, on est content, tu vois. Bon, et la suite pour Olivier Capot? C'est de bâtir un socro bientôt. Non, non, je rigole. La suite, c'est que c'est surtout de continuer à bosser, et puis avoir des bons gamins, qu'on soit bien informés, c'est surtout ça. Ok, pour toi c'est ça, tu vis pour ça. Voilà, c'est ça. Bien bosser, avoir de bons gamins, les préparer bien pour les donner à Yamoussoukro. Yamoussoukro FC, allez écouter l'épisode avec Stéphane Adamietz, avec qui j'ai fait un bel épisode et qui est le directeur sportif de ce club, qui est en train de se créer. Je lui passe bonjour à distance. Voilà, on lui passe. Et encore félicitations pour ce qu'il est en train de mettre en place. Je suis content en tout cas. Je suis content et puis je l'encourage en tout cas en ce qu'il fait. Et quand il aura besoin de moi, surtout qu'il ne m'appelle pas. Ouais. Qu'il ne m'appelle, il n'y a pas de souci. Je rigole. Bon, Olivier Capot, moi je pourrais parler des heures de tout ça, mais je pense qu'on va devoir finir. Et en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter? Tu peux profiter. Il y a plein d'entraîneurs qui nous écoutent. Il y a des gens qui... Il y a des fans de la GIA, il y a des fans de football, voilà. Mais ce que je pourrais dire, c'est que la GIA se maintienne cette année. Ça va pas être facile, mais on arrive à se maintenir. Et puis, dire merci à tous les entraîneurs que j'ai connus dans toute ma carrière. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, mais en tout cas, merci à tous les gars. Je suis passé dans tous les clubs, ceux avec qui j'ai pu bosser, qui m'ont connu, qui m'ont pas connu à distance. Juste leur dire merci. Je suis là, je suis à Abidjan et j'ai une académie qui fonctionne bien. Voilà. C'est tout. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Olivier Capot. À très bientôt. Merci à vous. Et... Salut. Merci, Olivier, pour cet échange. Je te connaissais très bien en tant que joueur et il faut dire que ton pied gauche m'a régalé plus d'une fois. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré que tu te sois confié à moi et je suis super fier de pouvoir mettre en lumière ton parcours étonnant. Je te souhaite de réussir ton ambitieux projet de former des nouveaux capots, mais à Abidjan cette fois-ci. Voilà, vous venez d'écouter le 46e épisode de En dehors de ma surface et le premier de la série spéciale Côte d'Ivoire. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode de la série avec Julien Chevalier, l'entraîneur actuel du plus grand club de Côte d'Ivoire, l'ASEC Mimosa. Je l'ai rencontré à Abidjan et j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui et sa famille. N'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr, P-O-D-2-I-O, le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt !